Mon pays s'appelle la Guinée. Sa capitale est Conakry. Son drapeau est le rouge, le jaune et le vert. Elle est située en Afrique occidentale. Elle est répartie en quatre régions appelées la Basse Guinée, la Haute Guinée, la Moyenne Guinée et la Guinée forestière. Bravo! Mais c'est pas vrai, ça y est, il va falloir qu'on fasse le plan. Bon, alors voilà, le groupe est tout arrivé, là, voilà, au fur et à mesure. Et on est en train de charger le camion. La famille Groseille en voyage. Voilà, alors en tant que filmeur officiel du stage, j'ai préféré. Il était préférable que je filme les gens plutôt que de travailler. Bah, c'est mon travail, ça. Vous m'avez dit que c'était ce que je devais faire, filmer les gens. Donc là, voilà, je les filme. C'est que c'est vachement dur. Ça vire bien. Eh bien, allez, qu'est-ce de la bagnole, s'il te plaît. J'avais pas annoncé ça. Bon, moi, je vous dis, on n'est pas rendu au spectacle de fin de semaine. Hein. Qui appartient à ça. Mais il y a du Tougui dedans. Non, hein. C'est pas le Tougui. Nous sommes partis de bon matin à la pêche et nous avons roulé pour trouver un bon coin. Il y a eu quelques petites personnes de malades, mais bon, ouais, jusqu'ici tout classique, hein, comme ça se passe sur les bateaux. Et puis en fait, on a décidé de rentrer parce que déjà ça pêchait pas, malheureusement pas de pêche. Et puis en plus, il y avait des gens malades et en plus, il n'y avait plus beaucoup d'essence. Et là, il n'y a carrément plus d'essence. Donc en fait on est coincé au milieu de l'océan, non je dirais pas au milieu, hein. Ouais, on n'est pas loin des côtes quand même. Mais là en fait la solution c'est de trouver un bateau qui nous vende de l'essence. Voilà, trouver une station de service ouverte en banlieue un samedi soir. Nous avons été bateau remorqué par des pêcheurs de sardines. Donc bonne pêche pour eux. Nous c'est pas terrible. Donc voilà, c'est la première fois qu'on fait du bateau barquage. Allez, au revoir, merci. Hein. Merci. Et ben voilà nos gentils dépanneurs. Ça continue, ça c'est depuis 1800, c'est pas 66. D'accord, et c'est fait par qui? Portugais.
Les Portugais, non. Mais... Les Français étaient déjà là, les captures, quoi. Ouais. C'est qu'ils étaient captures. Donc, vous allez me manquer beaucoup. Je vous corrige à tout le monde. Pensez à moi, les samedis, on se retrouvait là, ici. Quoi? Et voilà, nous partons en haute cour. C'est l'air. Alors, celle qu'on voit là, on l'a pris pour 6 ans, pour que le Zénith puisse m'agrandir. Et c'est la cérémonie du bon accueil à Kataco. Voilà, bienvenue au vidéoclub de Kataco. Alors, il n'y a pas le programme là devant, d'habitude il y a le programme, mais là on ne sait pas.
Voilà. C'est bon, quoi. Et il y a K dans la voiture. On a préféré descendre du camion parce que c'est un peu froid de la route quand même le feu là. Comment tu t'appelles, toi? Thierry. Thierry Henry. Yes, le même. Moi, c'est Malouda. Malouda, Laurent Malouda. Laurent Malouda. Voilà, il y a un petit nœud, hein, c'est tout que ça tient. Hein. Bravo, man. Alors voilà comment nous avons été réveillés ce matin.